avait un semblant d'enveloppe sous chaussure. Où ça? Attention, vous allez... Ah, ça va? C'est à nous de le découvrir, mon cher cœur. Oui, mais quoi? Merde, on a oublié les flingues. Et l'enveloppe? Elle est là. Et le double face? Elle est là. Santé Rivette. Le meilleur commerçant à votre service. Non. Elle est Saint-Té la première Rivette. Agence immobilière dans le monde. Alors en fait c'était un des tournages les plus épuisants de sa carrière. Hein. Comme un chat en cage devant les caméras. C'était vraiment épuisant. Je pense que nous devrions aller de l'autre côté de ce voilà. Franchissons le Rhin avec un pont. Avec un pont, avec c'est un ça. Avec un pont en bois. Non, attendez. Ouais, quand vous voulez. Ouais. Cœur, savez-vous que j'ai fait partie du génie civil? Normalement, d'après mes calculs, ça devrait être bon. Allez-y, cœur, passez. Je pense que vous avez mal calculé votre coût. Je le pense aussi. Je le pense. La production a connu également quelques petits soucis. Peux toujours essayer. Essayez donc. Ah non. Allô, au fleuve. Quand vous voulez. Ouais, bon, on va reprendre. Ouais, on était en même temps. Bah, je croyais que tu l'as craché avant. Ouais, mais retournez-vous vers la caméra, c'est plus long. Ok. Il y avait beaucoup de fans autour de ce tournage parce que c'était une des séries les plus populaires en Allemagne et les fans savaient tout à fait que le tournage avait lieu pour la France. Cool. Allons pisser. Oui, allons pisser. En plus, il joue bien mal et tout comme il faut. Je pense que Hans Börner est le seul homme qui a eu le courage d'ouvrir les yeux, hein, de lutter pour faire entrevoir un rayon de lumière à l'humanité. Es ist gefährlich, mais Hans Börner n'a pas peur. Oh, bon. S'il y avait une leçon à retenir de tout ça, s'il y avait un chapeau à retenir, ça serait que nous avons tous un Hans Börner en nous. Ça va bien? Et votre hernie... Votre hernie testiculaire. Ça va bien? Ça va bien. S'assoit. On est content alors. Salut messieurs. Et franchement, les filles... Salut. Oh, lunettes, Isaac. Excusez-moi. Vous en prie. C'est parti. À la vôtre. Comme tu veux. On y va? L'addition, mesdames et messieurs. Ce rôle était tout à fait personnel, hein. C'était incroyable comme l'identification a fonctionné, hein. Je sentais que j'étais fait pour le faire. C'est bon. Hans, c'est un perfectionniste, un demi-dieu, un survivant et un monument. Quoique... Kurtmeier n'est pas un policier, ce n'est pas l'acteur, c'est pas un acteur. Moi, même pendant un tournage, j'aime prendre soin de mes cheveux, même quand j'ai des heures et des heures de tournage dans les cheveux. Moi, même pendant un tournage, je prends le temps de soin de mes cheveux. Tu prends le temps de soin. Oui, ça. Le temps de soin. C'est pour ça que je lui jute sur la tête. Tous les jours, je lui jute sur la tête. Hans me jute sur la tête. Comme ça, ça me fait une friction anti-pellicule. Regardez, mes cheveux sont beaux et soyeux. Ils sont beaux et soyeux.
Le tournage ne s'est pas forcément bien passé. Il y a eu de très 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 mauvais rapports pendant le tournage. Ils ne se parlaient pas entre les scènes. Mais regardez. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour vos cheveux? Moi, je ne fais rien. Moi, je lui crache dessus. Et ça vous fait du bien? Ça calme. Ça calme un homme, ça. Et je peux te dire que si je ne le fais pas chaque matin, ça va parler à la fois. Vous êtes pris? Oui. Petit problème de... Ja. Oh, ah. Ich habe keine Lust. Je n'ai aucune chance dans le milieu. Là, je ne peux pas traduire pour des questions de décence. Danke. Et merci. Ja. Mais oui. Scheiße, dicker, merde. Un peu peur. Oui. Oh. T'en remets toi, t'étais. Oh, je passe devant la caméra, je passe derrière. Hein. Non, tu fais juste trois. Ouais, monte bien les dents, essaye de les mettre plus en avant, je sais pas. Voilà. Oh oui, c'est long là. Vas-y, fais un essai. Bah. Excellent. Un pote peu français. Enfin, mon personnage était donc Host Berling. Alors il y a eu tout d'abord un casting, n'est-ce pas? Je voulais évidemment faire l'inspecteur Hans Berner, mais évidemment j'avais un problème au niveau du nez, une grosse crotte de nez, et ça n'a pas été possible pour faire Hans Berner. Je me suis donc rabattu sur ce rôle qui n'est pas dégradant, hein, c'est Host Berling. Évidemment j'ai une courte apparition au début, et mais c'était très intéressant à faire quand même. C'est un rôle éprouvant, hein. Il y a eu des mois de préparation avec un grand cascadeur français qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom, il pue un petit peu. Ça va? Ah, moi j'ai tout ça. Oh putain, le pauvre. Ah, les deux vont bien. Attends. Alors, ça fait quoi d'être un grand acteur? C'est mouillé. Ah, t'as des grosses pellicules. Je craque, toi. Putain, t'es vraiment craque comme mec. Il est copain, bah la fac. T'as une combarre en dessous. Par contre, ça fait floc-floc un peu. Allez, mouillé. Elles sont propres maintenant, hein. Il y a eu bien sûr un camp, des mois de préparation, un camp d'entraînement pour lutter contre les tétards. Ça dans une première fois, il y avait des poulets également, mais ça compte très très peu. Hein. Il s'est retrouvé également à 2000 mètres sous l'eau pendant 8 jours. Hein. Très 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 très, très bonne expérience, il y avait du pinard et tout. Bref, à 2000 mètres sous l'eau avec comme seule provision donc un pinard et une saucisse. Il en a marre de celui qui est derrière lui. C'est propre, c'est vrai. C'est vachement agréable. Ouais, 2h30 chez Claude. Wenn die Sonne scheint. On a tous un Host Berling en nous. Oui, c'est fini, Yoram, merci.